Bon, il y a quelque chose qui va vraiment fondamentalement pas bien dans le monde. T'sais. Ça, je le savais quand j'avais 6 ans. Quand je suis arrivé en première année, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas avec ce monde. Là, regarde bien ça. Okay? C'est ridicule. Vous allez voir là, à quel point le monde est débile. Là, t'sais. Le monde est complètement épais. Là, t'sais. Vidéotron, OK? Vidéotron, ma nouvelle Vidéotron, parce que là, je viens de me faire connecter, j'ai payé 115$, ça a pris 2 fois, il a fallu qu'il envoie 2 techniciens, un esti d'épais qui a même pas trouvé mon adresse parce que mon appartement est en arrière du bloc, puis qu'il a même pas, puis j'étais là toute la journée, je l'ai attendu toute la journée, puis là, ils veulent me charger 60$ de plus pour l'installation, parce qu'ils ont envoyé un autre technicien 3 jours plus tard. Parce qu'il n'était pas foutu de trouver la style d'adresse. Je l'ai payé, là. J'ai payé 115 pièces de départ. Okay? Là, il me demande, puis là, même, bon, le technicien, pas le technicien, le vendeur, à la boutique Vidéotron, le style de Vidéotron de merde, c'est vraiment, c'est du caca, là. Ça n'a pas de sens. Le gars, il me dit, oui, mais monsieur, vous ne pouvez pas ouvrir un compte si vous n'avez pas de carte de crédit. Je ne suis pas obligé d'avoir une carte de crédit, je peux payer par accéder, tu sais. Je peux payer par accéder. Fait que là, j'ai dit, regarde, essaye d'ouvrir le compte. Parce qu'il me disait, non, monsieur, ça vous prend la carte de crédit. Je dis, ben, essaye-les voir avec accéder, ça marche. Là, il dit, ah, ben, OK, je vais voir, tu sais. Fait que, tac, 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 il pitonne, le gars, il rentre, puis là, il ouvre mon compte, tout le kit, pas de problème. Pas besoin de carte de crédit. Là, ça fait quelques semaines déjà. Là, je m'en vais sur mon compte Helix, là, tu sais, pour mon internet. Puis je m'en vais sur mon compte Helix. Puis je vois ma facture. Là, en fait, la première fois, je rentre mon nom d'utilisateur puis mon mot de passe, ça fonctionne pas. Fait que là, je dis, comment ça fonctionne pas? Fait que là, je suis obligé de marcher. Là, je marche 2 km. Parce que moi, j'ai pas de téléphone. Hein? Je marche pas avec le téléphone. Mais je marche en tabarnak, par exemple. Fait que je retourne à Vidéotron. Je m'en vais voir le gars. Je dis, là, j'ai un problème. Je suis pas capable de me loguer sur ma facture. Parce que j'ai mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe est pas correct. Donc, j'aimerais ça savoir c'est quoi mon mot de passe pour pouvoir payer ma facture. Parce que c'est mon but. C'est ça, c'est de payer ma crise de facture. Tu sais, je veux la payer. Fait que là, il me donne mon nom d'utilisateur qui est mon courriel, puis mon nouveau mot de passe à 4 chiffres. Fait que là, je reviens chez nous. Là, puis pendant ce temps-là, je venais d'ouvrir un compte Desjardins, accéder. Écoutez ça, c'est complètement. C'est ça le monde dans lequel on vit, là. Là, je m'en vais chez Accéder, OK? Gang de calice. Gang de ce petit trou de cul. Je m'en vais chez Accéder. Je leur dis, écoutez, je ne peux pas accéder à Accéder. Comment ça se fait? Ben, fait que là, je m'en vais les voir. Puis là, je leur dis, on m'a donné un délai de 48 heures avec un mot de passe temporaire pour pouvoir me loguer sur Accéder, pour changer mon mot de passe, pour avoir accès à accéder pour pouvoir recevoir des transferts de fonds, de l'argent, finalement. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, à cause que Vidéotron a pris, ils ont pris quoi, 6 jours en tout, non plus que 6 jours, une affaire la même, pour pouvoir m'installer Internet. Donc, je ne pouvais pas aller sur Internet pour aller valider mon code accédé. Donc, j'ai perdu mon accès accédé à cause de Vidéotron parce que le technicien n'a pas été capable de trouver mon adresse parce que dans le bloc appartement, mon adresse est en arrière du bloc. Crise d'épais. Hey, il y a des facteurs même qui n'étaient pas capables de venir livrer mon courrier parce que c'est des. C'est un espèce de charabia complètement zinzin. Mais là, le bout de la merde, OK? Là, je finis par réussir à me connecter sur Helix. Fait que je m'en vais dans mon courriel, je reçois ma facture électronique comme j'ai demandé. Fait que je reçois ma facture électronique
Je me connecte sur Helix Viditron. Puis, une fois que je suis connecté, je m'en vais regarder mon bill. Puis, c'est mon deuxième bill, là, tu sais. C'est 337$. Puis, ça fait même pas un mois que j'ai Internet, là. Je suis rendu à 337$. Puis, c'est une connexion illimitée, donc, tu sais, je paye pas pour des données, je paye un montant fixe. Normalement, ça devrait être 46$. Mais là, 337$. Voyons donc, c'est-tu. C'est quoi cette affaire-là? Là? 337$, c'est ton deuxième bill de Viditron. Là, je me dis, bon, regarde, je vais en payer une partie. Je m'en vais sur Internet. Je check, parce que là, j'ai Internet. Jusqu'à temps qu'ils me le coupent. Ils vont sûrement me le couper bientôt, gang de cave, parce que je paye pas. Je paye pas parce que je peux pas payer. Vous allez tout comprendre. Fait que je m'en vais sur Viditron, je me rends compte que c'est 337$, puis là, j'ai cliqué sur « Payer la facture », tu sais. Là, ça dit « Entrez votre numéro de carte de crédit ». J'en ai pas de carte de crédit. Puis là, bon, là, je cherche telle façon, telle autre façon. Là, puis leur site, il est tellement mal fait. On dit « C'est fait pour nous faire chier, là, cette affaire-là, là, tu sais. » Puis, ensuite... Là, je réussis à trouver une information comme quoi c'est possible de payer par virement bancaire directement. Donc, pas besoin de carte de crédit. Puis moi, ça fait mon affaire parce que j'en ai pas. J'en ai pas besoin puis j'en veux pas de carte de crédit. Idéalement, j'en veux pas. Là. Fait que là, finalement... Je me rends compte qu'il n'y a pas d'option. En tout cas, il y a une option payer sur le site. Mais quand tu cliques sur l'option payer la facture, ou. Ouais, c'est ça. Sur Vidéotron, ça donne rien. Ça donne rien. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une carte de crédit pour le faire. Donc, puis ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. Donc. Ben, c'est illégal dans le sens... Ouais, c'est ça. C'est illégal, je crois. Puis j'avais dit à la fille la première fois... En tout cas, peu importe. Après ça, je me dis, bon, OK, peut-être qu'il faut que j'ajoute une facture sur accéder. Tu sais, il faut que j'aille sur Desjardins pour aller créer une facture Vidéotron avec, puis rentrer mon numéro de compte, puis pour pouvoir le payer, tu sais. Donc, directement à partir d'accéder. Je m'en vais sur accéder. Puis là, je check ça, puis j'essaye ça. Puis là, ajouter une nouvelle facture. Puis, en fait, j'ouvre mon truc accéder. J'ai déjà deux factures. J'ai une facture de Bell, puis j'ai une facture d'Hydro-Québec. Mais, j'ai jamais eu... Hydro, ici, dans mon building, mon hydro est inclus. Fait que c'est mon proprio qui le paye. Puis, Bell, j'ai pas de service de Bell, c'est à mon adresse. Fait que là, je suis clusterfucké, là, tu sais, dans ce système d'imbéciles-là. Puis là, ils vont me faire chier avec ça, là, ils vont me faire chier. Là, il va falloir que je fasse des démarches, puis des démarches, puis des démarches. Mais tu sais, tu te rends compte que t'es même plus... Tu peux même... Je veux payer, tabarnak! Je veux payer ma facture! Comprenez-vous? Tu sais... Fait que là, sur accéder, je suis pas capable. J'essaie d'ajuster la facture. Il dit, OK, Vidéotron limité, tatati. Je dis, oui, OK, c'est correct. Fait que là, je clique sur accepter, valider. Puis après ça, il m'envoie à une autre page. Veuillez vérifier doublement votre identité. Là, je clique sur aide. Puis là, vérification double de l'identité. Mon idée. Attends, je suis sur accéder. Là, je suis déjà dans mon compte à moi. Qui est protégé par un mot de passe qu'il a fallu que je fasse refaire une deuxième fois pour pouvoir accéder. Puis là, je peux même pas accéder à mes dépenses. Vous vous rendez compte à quel point c'est complètement zinzin, tu sais. Fait que... Puis là, bon... Tu sais, déjà, avec Viditron, j'ai passé deux heures. J'ai passé plus que deux heures avec le service à clientèle. Avec accéder,
Ben, 2 heures au téléphone, dans une cabine téléphonique, parce que j'ai pas de téléphone. Hein? Puis là, il faut que je valide mon. Des fois, il faut que je valide mon identité avec mon numéro de téléphone. Mais mon numéro de téléphone. J'en ai pas. C'est comme si dans la vie, t'as même pas le droit de vivre sans téléphone. Vivre sans téléphone, c'est rendu impensable. Tu sais? C'est. Fait que. Puis là, ça fait 3 fois que je vais aux deux places. Puis c'est pratique parce que Videtron. Puis Desjardins, ils sont sur le même coin de rue. T'sais. Mais il faut que je marche quand même. Moi, c'est 1,5, 1,6 km peut-être. Il faut que je marche jusque là-bas. Mais là, ça fait 3 fois que j'y vais. Mais aller-retour, là, t'sais, fait que c'est au moins 3 km fois 3. Parce que je suis à pied, j'ai pas de véhicule non plus. Pour essayer de réembarquer dans le système, il faut que je me batte, il faut que je déploie de l'énergie. Puis moi, j'ai pas de compensation pour ça. Rien. J'ai zéro puis fuck all. C'est moi qu'il faut que je paye. Je paye pour payer. Il faut que je paye des frais pour mon compte de banque pour pouvoir payer ma vie d'étron. Parce que c'est vraiment une vie de marde, finalement. C'est, vous voyez toute la patente, hein? Fait que. Là, je ris, là, tu sais. Mais en fait, ce que je voulais vous demander, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'aimerais ça filmer. J'aimerais ça filmer, aller sur place, et puis filmer l'incompétence, le summum de l'incompétence de ces places-là, là, tu sais. Puis leur dire, écoutez, là, regardez. Est-ce que vous avez, là, je sais, là, ils s'en viennent. Ils vont venir me couper. Là, en fait, ils peuvent le faire à distance. Ils peuvent couper Internet à distance quand ils veulent. T'sais. Même si j'ai payé pour. Là, ils ont déjà pris. Je leur ai payé 115$ comme premier paiement. Puis c'était correct. Ça a passé. J'ai fait check. Mais il fallait que je le fasse à la boutique là-bas. T'sais. C'est débile. C'est débile. C'est un monde de débiles. J'aimerais. Je veux filmer ça, c'est pour montrer à quel point c'est complètement. Je veux dire. La bureaucratie, c'est de l'enculage de mouches. Pas de jouissance, là. Enculage avec zéro jouissance. La jouissance n'est pas garantie. Fait que. Tu peux pogner des bébites avec des mouches. Ça a l'air. Fait que c'est ça, c'était une capsule de crédibilité sur calice de tabarnak de Videtron, tu sais. Ma nouvelle Videtron, bienvenue dans votre nouvelle Videtron avec Elix.